Oui. Tu vas nous planter ce décor ? Oui, je vais le planter. Enfin, du moins, non. C'est le journaliste qui se demande si ça va être un beau décor. Ouais. Et on lui a coupé la chic à cet endroit-là, donc on le saura maintenant. D'accord. Tu sais que j'ai failli quand même te présenter une amie. Ah bon ? Ouais. Présenter qui comme amie ? Planter dans l'épaule de Mia quand même. Oui, enfin, ça, lâche ça, s'il te plaît, hein. Mia, elle le valait bien. Attends, vous voulez nous sauter à la gorge et tout, c'est même pas pour faire un petit bisou. Ah bah ouais, mais quand même, quoi. Bah ouais. C'est de la violence conjugale, qu'est-ce que tu as fait. Oui, c'est comme ça qu'on a appelé le premier épisode. Et puis alors, les viewers sont là et en plus sont témoins que c'était pas de ma faute. Bon, mais j'avais dit que je te l'accordais. Bon, eh bah parfait. Donc dans ces cas-là, on vous dit bonjour. Eh bien, bonjour à tous, c'est Lucia. C'est bon, et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Resident Evil 7 Biohazard. Et donc, oui, effectivement, comme vous l'avez vu au premier épisode, tout simple, Mia, on l'a trouvée. On la watcha. Elle a disparu. Et du coup, là, on a mis la cassette VHS, concrètement de la démo, qui nous refait repasser la scène du journaliste. Donc forcément, on la connaît un tout petit peu. Mais bon, vous allez rester avec nous parce que dans ce deuxième épisode, il n'y aura pas que les journalistes et on va enfin connaître le nouveau, le tout frais, le qui fait peur. Mais vous allez aimer, commenter, partager et vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube de Doucéa et Montez-moi Gaming. Sur ce, on y va, deuxième épisode et let's go. C'est parti. André, 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 Fancy, tu sais où est passé André? Il est où? Putain, j'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy... Personnel de nos jours. Et donc, on commence bien cet épisode, puisqu'on arrive déjà... C'était quoi, ce truc? Bah, c'est André. T'as entendu? Oui, c'est André. André? Il est où, putain? André, t'es passé où? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. C'est une bonne solution. Voilà la famille Baker, apparemment. Très mignon, hein. Bon, allez, on suit notre... notre présentateur. Devant. Oui. J'ai un plan de moi en train de descendre l'échelle. Donc, passe devant. Bah tiens, hein. Changera jamais, toi. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Là, y'a quelqu'un, je crois. André. Voilà. Salut André. Bah, tu faisais pipi, hein? Oh. Il a mangé le tuyau, André. Ah oui. Et voilà. Fin de la cassette. Fallait mettre un DVD, ça dure plus longtemps. Oh mon Dieu! Bon! En quid, ça ne t'a pas plus impressionné que ça, c'est la démo, on l'a déjà fait. Mais bon, on va vite être impressionné, je pense. Hein. Après la cassette.
Ouais. Je ne sais plus où est-ce qu'il faut aller. Mia? Non, le premier épisode toujours pas revenu, forcément. Non. La salle de bain, ça sert toujours à rien. C'est bien qu'ils aient commencé les travaux ici, hein. Oui, hein. Ça, c'est le sous-sol. Ok. Bon. Tu peux pas aller au grenier Mais je crois qu'il faut trouver un. Alors, fusible. Le salon, c'est fait. Objectif, aller au grenier, rétablir le courant dans l'escalier. Donc en gros, trouver le fusible. Trouver le fusible. Sauf que nous, on a joué qu'à la première version de la démo. Je crois qu'il n'y avait pas tout. Si, ah ouais, ça y est, ça y est. Marche pas, non? Non, fallait une pince. Ah, ça y est, ça me rappelle. Ça te rappelle. Ça me rappelle quelque chose, pardon. Ah, on va y aller? Ben non. Bon. Oh là là. Bon, allez, pour le plaisir quand même. C'est pas bon. Non. Le bon ragoût de Tata Suzanne. Non, mais ça serait vraiment au grenier. Pas pourtant, on est déjà allé. J'ai un doute. Il n'y a pas une pièce avec des cochons, je me souviens dans la démo là. Si, mais je croyais que c'était en bas. Bah, il me semble aussi. Bon, attends, on va retourner là où on n'a pas exploré. Là, il n'y a rien. Là, on y est allé. Et là, aussi. Alors, je me permets de courir parce que j'ai moins peur, parce qu'on a déjà fait trois allers-retours là-dedans. Ça ne va pas durer. Non, salle de bain, elle est faite. Et là, c'est la porte fermée. On vérifie. Mais c'est fermé. Bon. Rétablir le courant dans le grenier. Passage secret, peut-être. On va retourner à l'endroit où il y a la télé. Ah oui, mais attends. Suis-je bête? Descendre. Je pense. Bah non. Il ne veut pas. Soit j'ai un trou de mémoire, soit j'ai raté quelque chose. Parce que le fusible, on l'a pas. Non. Oh, mais on a déjà le. Mais oui, que suis-je bête? Dans la démo, on trouvait le coupe-chaîne, on va dire. Ah oui. Et là, on l'a déjà. Pardon pour ce ralentissement. Voilà. Voilà comment on a été induit en erreur. Le fusible. T'as déjà vu. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de passer. Oui, et je l'ai vu. Arrêtez avec vos bruits nouveaux là. Pâti. Il faut mettre le fusil, mais Ah oui. ça serait pas par là. C'est
par là, je crois. Je te préviens, petite fille. Je sais que t'es là. Voilà. Il y a quelque chose qui surbrillait là-bas, non? Non. Alors pour l'instant, n'oubliez pas l'objectif, c'est qu'on doit juste se barrer. Putain! Ah la salope, pardon. Non! Ah, je l'avais dit. Hein. Et non, 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 non. Retire. Oh, ça va pas être... Massacre à la tronçonneuse. Non. Ah. Oh. Oui, bah commence par toi en premier. Oh, il a perdu la main. Ah oui, là pour le coup. Synthol. Non, là, là, tu peux pas là. Doliprane. Non plus. Je suis rangé à mon avis. Docteur. Oh là 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 là. Tu peux pas ramasser ta main. Elle est où? Ramasse-la. Ah, on peut. Mets une vis. Mets vite du scotch. Une paracétamol. Oh. Vite, vite. Ça y est, on n'est plus dans la démo. Le grenier, je vais pouvoir sortir. Ou pas. Bon, personne n'a pu monter, on est d'accord. Eh, hey, mets ta lampe de poche, gars. Tiens-la de l'autre main, s'il te plaît. Comment tu vas faire pour te... Bref. Laver. Te laver, voilà. Oh. Du Synthol. Une lisson de pistolet. Je veux le pistolet avec. Voilà. Il est marre. Pète un câble. Ouais. Et y'a rien. Du fil et une aiguille. Ce serait sympa. Un pistolet. Ah, bah, voilà. Bon, d'accord. Ouais. Ok. Oh, il tourne lentement. On t'a prévoir son coup. Remettre de premier soin. Bah tiens, du Synthol. Toi, je t'avais dit que j'avais trouvé tout ça. Voilà. Fermé? Ah non. Ouais, non. C'est par là. Oh là 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 là. Maintenant que j'ai un flingue, j'ai encore plus peur. Je vais tirer. Oh, j'ai eu peur d'un mannequin. Pistolet, voilà. Quoi? Ah. Putain, il n'y a rien, quoi. Mesdames. Ah, moi je me suis retrouvé sans main, t'imaginais? Une porte là, une porte là. Sortie. Ah. Elle est où? Ah. Voilà. Mia. Mais tu le fais exprès.
Elle est où? Non. Ah. Oh. Ah. Allez, dégage. Oh, c'est horrible. Tu sais que t'avais un flingue? Oh. Ça va? Oh, elle était moche de toute façon. Enfin, elle est devenue moche. Je peux pas le prendre. Ah, donc c'est bon? Je peux sortir? Ah, bah non, elle a pété l'échelle. Et c'est que le début. Bon. Un coup chaud. C'est dégueulasse quand même, hein. Mais je suis sûr qu'il va être gentil, il va lui recoller la main. Ça serait bien. Ouais. Un peu de ruban adhésif et 2-3 punaises, ça devrait être bon. Aujourd'hui, on fait des miracles avec la biologie humaine. C'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Oh, oh, une agrafe. Et une montre. Bien. Au moins, il y a la main. Oui, il l'a retrouvé. T'as vu? Deux, on trois... cicatrise mieux avec des agrafes. Ah oui? Ouais. T'as remis une pointe de super glue à droite à gauche, histoire d'être sûr, quoi. Oui, oui, bon. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Oh. Mange! C'est bon! Tu m'as fait ça! Oh! Pas il fera la même chose! Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, on va. J'allais. Oh! Très spécial. Allez, fiston. Oh. Allez, allez. Oh, merde. Je me dis que c'est encore ce flic. Sauvé par le gong. Poulet. Madame. Et Dodo. Bon. Bon, bon, bon. Bon, bon. T'as plus de flingue, t'as plus rien, t'as plus. Non. Ah oui. Tous ces retrouvailles pour rien. Bon, à partir de maintenant, le jeu est nouveau, donc ça y est, la flic peut être là. Oh! Bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas le savoir. Non. 30 juin, homme, la vingtaine, corpulent. Barbecue! Barbecue! You! Allez, ferme-nous ça, hein, c'est dégueulasse, en plus ça pue. Merci. Mmh.
fait quoi là-dedans? Mais on fait quoi? Une trappe. Sélectionner un objet utilisé. Mais on n'a rien. C'est verrouillé. D'accord. Une découverte propre. Bon, ici y a rien. Oh là 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 là, par où aller, par où aller? S'échapper de la maison, trouver la clé de la trappe. Pour ton info, ouais. On dit qu'à partir de maintenant, oui, on va flipper. Donc, si t'as soif, profites-en pour boire un coup. D'abord, on y va. Un instant boisson. Et pose ta tasse, je viens de poser la mienne tout à l'heure à la faille valsée. Voilà, voilà. Moi, je vais vers la lumière. Alors, eux, ils étaient ressortis de par là. Force est de constater qu'ils seraient peut-être en bas. On peut pas monter. Non, vous savez quoi? Je vais aller là. Voilà, pardon. Ou pas. Ou pas. Pardon. Je vois un truc bouger là-bas. Donc, au pire des cas, tourner en arrière et descendre dans le garage. C'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est joli. Dis-moi que t'es qu'une animation. Non, sérieux. Cours. Oh putain. J'ai la vague impression qu'il va te poursuivre. Chicaca. Coincé. Ça peut pas passer. C'était pas, peut-être pas par là. Je suis coincé. Le remordé est trop récent pour être enlevé à la main. Ah, avec ce qui te reste. T'as rien dans ton inventaire? Non. J'ai rien. J'ai une montre. Oh, sérieux? La caisse a l'air fragile, on peut peut-être la casser avec quelque chose. Même il y a quelqu'un à côté. Puis j'ai rien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, 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 bon. Ça y est. Ah! T'es parti avant la fin du repas. Ouais, mais quand même, quoi. J'ai trouvé la clé. La clé? J'ai trouvé une porte. Je peux pas. Ah non. Ça va piquer. Non. Clé de la trappe. J'ai trouvé un truc. On s'en fout. On s'en fout. Je dois faire quoi? Clé de la trappe. Faut une trappe. Et je l'ai vu la trappe. Tous les jours, c'est la même chose. Non. Là. T'es trompé d'adresse, gamin. Allez, allez, non! Oh putain! À coup de pelle, il y va! Des... Ah! Non! Alors, il avait déjà plus. Oh non! Il avait déjà plus de main! Je me barrais. Je l'avais déjà ouvert. Je t'ai spoilé, monsieur le méchant. Je peux pas l'ouvrir. Eh ben, je pense que tu vas mourir là. Eh? Eh? Une fois que t'as vu la trappe, tu cours. Nous, c'est ce qu'on nous disait qu'il fallait tracer. Voilà. Ah, oh, je suis vraiment dead. Ouais. Oh mon dieu. D'accord. Quoi tu... Voilà. Faut... Tu l'as vu, maintenant tu cours. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cet ennemi vous coupe la jambe, remettez-la rapidement pour ne pas se couper l'hémorragie. Une fois votre jambe récupérée, utilisez un remède de premier soin pour la soigner et la remettre en place. C'est pas le pied. D'accord.
Sympathique. Sympathique. T'as pas une clé? Elle dort. Va chercher la clé et barre-toi, mon ami. Ok. Oh là 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 là. Sauf que la clé était là-bas au bout. Oh, ça commence bien. Il va me voir. Est-ce que je rush? Ouais. Mais c'est un... Ah oui, mais la clé, elle est... Tu pensais nous tuer avant la fin du repas? Oui. Mais je m'en fous de vos tableaux de merde. Tu l'avais pas? Non. Dégage. Je cours. Non. Oh non. Elle est là. On s... Ah putain. Allez, allez, allez. Allez. C'est entre toi et moi. Salut mon gars. Comment ça va? Non, je te donnerai pas ma main. Ni ma jambe. Allez. 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 Ah. Et ben voilà. C'est ici que s'arrête le let's play. Hein, on va rester là pendant 3 ans comme Mia. Hein. On va venir nous chercher. Il est quand même au-dessus. Hein. Moi je dis ça. M'en fous, j'ai fermé la clé. Oh là 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 là, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, ça m'emmerde, je veux savoir si c'est quelqu'un qui me suit. Pièce antique. Bah tiens, 1€. C'est pour acheter de l'anzaplast. Ouais. Bon, en gros, le père de famille, il est pas content. Putain, il est au-dessus de nous, quoi. Oh non, non, non. Oh non. Je regarde autour quand même, hein. T'as une sauvegarde. Sur la table. Putain. Tu peux monter, s'il te plaît. Merci. Attends, il y a un écran bleu, les gens. On se dit à tout de suite. Voilà. Plan de la résidence principale. Voilà, cadeau. Vous savez quand t'es mort gaming, bonjour. Oui, c'est pourquoi. Bien joué, Tom. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. D'accord. Un codex. Mmh. Voilà. Charmante. Vous pouvez stocker les objets ici. D'accord. La pièce, elle me sert à rien. Le mail de Mia, je le relirai quand j'aurai le temps. Ah, j'ai mon caleçon à laver. Ah bah tiens. Elle sent terriblement mauvais. Je ne veux pas savoir. Un fluide chimique. D'accord. De l'herbe. Combiné des objets dans l'inventaire. Ah. Un liquide pouvant être combiné pour créer des objets inutilisables tels quels. Ok. Une plante aux propriétés curatives restaure un peu de quantité, une petite quantité de vie. Et on peut faire versus pour faire un remède de premier soin. Bah allons-y. Voilà. Merci. Bon. Une boîte.
quand même plus quelque chose d'intérieur. C'est déverrouillé. Oh non. Juste vite fait, s'il n'y a pas... Elle s'est refermée. Bon. Un dernier objet à récupérer. Non, non, on va vraiment être sûr, au cas où on peut pas retourner en arrière. C'est pas pour pinailler, mais... Mais j'entends du bruit. Où est le père de famille? Il a plus l'air d'être là pour le moment. Comment ? Il a plus l'air d'être là pour le moment. Ouais. Bah nous non plus, on a plus l'air d'être là pour le moment. Oh, bon. T'as pris des coups de pelle et maintenant t'arrêtes, c'est ça ? C'est ça. On a pris des coups de pelle par le père. Alors on a fait connaissance avec le père, on n'a pas encore le prénom, mais c'est Monsieur Baker. Alors, voilà. Si vous pensez que c'est comme le docteur Baker de la petite maison à la prairie, c'est mort. Hein, mais... Bah pourtant, il a bien recousu, il a bien agrafé. Hein, oui, 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 mais c'est violent. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est très violent. Hein. Oui, c'est un peu même dégueu. Donc voilà, on résume, on a eu face au père, on s'est enfermé, il sait qu'on est là, et nous, on retourne bien sûr dans les salles principales, hein, pour mieux l'affronter. C'est ça. Voilà, puis Mia, bah, elle est revenue. Oui, 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 oui. Mais on l'a retapé. Oui, mais elle a voulu quand même te tronçonner la gamelle. Hein. Donc voilà, donc on saura ce qui se passe au troisième épisode. Est-ce que le père va nous retrouver? Est-ce que Mia va nous retrouver? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Eh ben, on le saura dans le troisième épisode. Exactement, de Resident Evil 7 Biohazard avec Doucea. Et Panthéma. Ouais, ouais. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à aimer. À commenter. À partager. Et à vous abonner. À la page Facebook. Et à la chaîne YouTube. De Doucea. Et Panthéma. De gaming. Eh, c'est quoi? Nous, on enregistre en direct. Ouais. Ils ont encore le droit à quelques épisodes, les viewers qui regardent en direct. Mais pour les autres, c'est dimanche prochain sur la chaîne. Donc, en attendant, on leur dit... Bonjour.